Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lionel Nido. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de C'est trop bon chez BKB. On est au Marin et laissez-moi vous dire, on va vous faire découvrir le Marin avec vos artistes préférés, mais aussi avec vos personnalités préférées. Et aujourd'hui, on reçoit l'homme du mix, le meilleur DJ. C'est moi qui le dis. Le meilleur DJ, en tout cas, pour moi de la Caraïbe. C'est monsieur DJ Killers qui est présent avec nous. C'est quoi là? On fait une entrée en mode. Ça va bien? Le poulet. Voilà, il veut du poulet, il est déjà en mode. Ça va bien? Ça va et toi? C'est un réel plaisir de t'avoir, en tout cas, aujourd'hui chez BKB. Moi aussi, ça fait plaisir d'être là. Je sais que tu aimes manger. Ouais, j'adore ça. C'est quoi? Poulet, sandwich? Poulet. Team poulet. En tant que DJ, là, généralement, t'as l'habitude de mixer, toi, des sons. Ouais. Quel serait le meilleur mix en termes de sauce pour toi? Avocat mayo. Avocat mayo? Ouais. Ok, très bien. On va essayer de voir si l'avocat mayo passe bien, en tout cas aujourd'hui, chez BKB Marin. Je vous propose de venir avec nous, avec DJ Killer. Ce sera du lourd, c'est parti. On y va. Avec moi, on va y aller. Je fais ma maïté aujourd'hui. Très bien, je te laisse rentrer, voilà. Allons-y. Quand Lionel m'a proposé le concept avec BKB, tout de suite j'ai dit oui, j'ai trouvé ça super fun. J'adore le poulet, j'adore BKB, donc forcément je me suis dit, ah ouais, bon, j'ai du poulet en plus, tranquille. On va enfin découvrir le menu chez BKB. Je te présente Stéphie. Salut Stéphie. Tu vas bien? Stéphie, c'est qui va nous encadrer, nous apprendre à faire un menu aujourd'hui chez BKB. Quel menu tu veux faire? Le soupe poule, ouais. Voilà. Ouais. Je savais qu'il allait dire poulet, ok. Je peux la mettre comme on veut. Non, bah, mais pas style. Non, tu peux faire ton style. Mais non, mais il faut qu'on lise l'enseigne, donc je vais la mettre comme ça, c'est pas grave. Il faut voir le BKB. Et les bagues, du coup? Je vais les retirer. Bah, tu n'as pas... Assistante? Non, il n'y en a pas, mais... Bon, je récupère les bagues, du coup, je vais les vendre. Attention à toi. Ok. Alors, et c'est la lavage des mains? On est pas en mode automatique là. Bien sûr, il faut bien frotter. Hein, bien frotter entre les doigts. J'ai toujours du mal avec ce papier. Hein. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans les seaux? Pilon, aile ou tendeur? Tout. Moi, en général, quand je viens chez BKB, je prends tout. Je prends un seau avec tout dedans. Ouais. Bon, bah allons-y. Alors, j'ai juste à récupérer. Oui, mais il faut pas tous les abîmer. C'est vendeur hein, quand même, hein, Killers chez BKB. Hein. Alors, il y a une technique, il faut bien tenir sa pince. Oui, bien tenir la pince, bien sûr. Il ne faut pas les abîmer. Voilà, il ne faut pas abîmer le poulet. C'est beau de voir des hommes à la cuisine. Hein. Je pense surtout Killers, non? Surtout ça. Je suis un homme qui cuisine. Hein. Imagine comment je touche les platines, c'est comme ça en cuisine. Et bien, justement, d'habitude, c'est les platines. Non, mais j'ai vu que on aime beaucoup me voir en cuisine. Mais c'est beau. Non, on m'a dit que tu cuisines bien. Mais c'est qui t'a dit ça? Je ne donnerai pas de nom. Tu donnes pas de nom? Killers prend le plateau. Il a pas fini. Ah. On doit mettre plus de poulet dans ça. T'as raison, Jessie. Plus il y a du poulet, plus je suis content. Alors, là, on va faire le saumix. Tu prends juste la pince qui est ici. Tu prends un seau. Saumix. Franchement, les explications de Stéphie, je trouvais ça vraiment net, succinct, efficace. Stéphie, t'es une bonne professeure. Ou bien, pour ne pas abîmer le... Ne pas abîmer le poulet. Il faut rappeler quand même que chez BKB, le poulet est fait par vous. C'est-à-dire, quand je dis fait, c'est la préparation, vraiment, l'assaisonnement. C'est ça, assaisonnement. Ainsi que la friture, voilà, on va dire la aussi. Friture aussi. Tout est fait par vous. Alors, comment j'ai trouvé Lionel? Bon, ben, comme d'habitude, c'est un personnage, donc je pense qu'il a même pas besoin de concentration. Hein. C'est naturel chez lui. Je crois que j'ai pas compté. Non, il me reste deux à mettre. Et il y a les tenders aussi qui peuvent être? Oui, il y a les tenders. Je les récupère pour toi, les tenders. C'est des tendiners, ça. On fait des frites aussi? C'est un saut pour les DJ parce que c'est un saut mix. Waouh, Lionel. Wow, c'est beau, c'est magnifique. J'ai la main. Ben oui, c'est très bien. On met pas de sel. C'est une blague nulle, mais personne n'a entendu. C'est bien. Alors, récupère ton saut mix. Saut mix. Un petit paquet ici, tu mets le. C'est l'habitude, j'ai dit, mais c'est à moi. Ok, d'accord. Le saut. Les gens ne savent pas, mais. Killers aurait pu être le directeur de BKB. Hein. Ah, mais bien sûr, qui sait, on ne sait jamais. J'ai rendu tout le monde tellement gros, j'aurais été trop. J'aurais dit, prenez du poulet, mangez. Et la sauce barbecue qu'on va récupérer ici. Je vais essayer de la récupérer. On y va. Voilà, la sauce barbecue. J'ai bien surveillé le poulet. Et là, on y va. Ok, on va offrir. Offrir à un client. Ah ben voilà, ça tombe très bien. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Alors vous savez quoi? Vous avez votre meilleur DJ, Killers, qui vous offre votre soupe poule mix chez BKB. C'est trop génial. C'est la meilleure, c'est ça? C'est la meilleure. Ah voilà. Et ben voilà, c'est ça aussi chez BKB, c'est trop bon chez BKB. Bien rempli. Ah, il a bien rempli. Bien rempli. Bien dosé.
Tu viens chez moi? Oui, t'inquiète. Enfin, super. Ça, c'est un excellent appétit. Merci. Thank you. Tu m'en diras des nouvelles. Hein. Vu que c'est préparé par lui, tu supposes que c'est bon? Je suppose que c'est bon. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Okay. Merci. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est fait avec amour aussi, toujours. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas. Gros bisous. Quand j'ai dû remettre le soupoule, via la cliente, je pense qu'elle était super surprise, elle s'attendait pas à me voir une cuisine déjà. Elle était agréablement surprise, elle a kiffé, elle a pris son souhait, elle est partie rapidement manger. Les amis, c'est ça aussi, c'est trop bon chez BKB. On est avec monsieur DJ Killers, on le remercie vraiment d'être venu. C'est moi qui te remercie, ça m'a fait vraiment du bien. N'hésitez pas à suivre DJ Killers, bien sûr, sur Instagram, Facebook, partout. Snapchat aussi, parce qu'il fait des stories, et c'est un bon. Et puis on remercie, ah, Stéphie aussi. On remercie aussi Stéphie, bien sûr, de nous avoir accueillis chez BKB. C'était hyper cool. Avec plaisir. Passez un bon petit moment. Voilà, t'as kiffé? Ouais, vraiment. Bon, voilà, les amis, vous savez quoi, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode de C'est trop bon chez BKB. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Ah merde, ça fonctionne pas. Merde.